Et les filles, vous avez entendu la prof, elle a dit que 10% de la population belge est belge, c'est n'importe quoi. J'ai juste l'impression qu'on n'est que 10% de belges en Belgique. Vous savez que j'ai que un pote belge? Ouais, mais tu sais, moi et mes parents, ça nous inquiète de ouf. En plus, à Skip, il y a une énorme vague de migrants qui arrivent des Balkans de je ne sais d'où. Mais moi, ça me fait flipper. Bah tant mieux, ça fera de la variété. Bah ouais, c'est ça. Imagine les équipes de foot sans les gens qui migrent. Franchement, je sais pas si on serait aussi fort. Hein. Mais tu t'en rends vraiment pas compte. Mais c'est super grave. Ils vont nous envahir comme dans les films avec les aliens, là. Sauf que à la place, ce sera d'être plutôt des terroristes. Ouais, ouais, c'est ça. Et en plus, c'est aussi un coup des Illuminati, genre. Bah, tu peux continuer de rire. Mais moi, au moins, quand ils nous envahiront, je serai préparée. En plus, chez nous, il n'y a même pas de place. Qu'ils trouvent de la place ailleurs ou qu'ils restent chez eux. Attends, mais tu t'entends parler, là? Je croyais vraiment que vous rigoliez, mais vous devenez vraiment stupide en disant ça. Bah quoi? Mais les gars, ces gens qui rentrent dans nos pays, c'est parce qu'ils ont pas le choix, c'est invivable chez eux. C'est ça qui est grave. Je vous rappelle que les pays qui accueillent le plus, ce sont leurs pays voisins qui sont encore plus petits que les nôtres. Alors vous inquiétez pas pour votre petit espace vital et votre argent. Bah oui, c'est ça, nous on les accueille seulement parce qu'on aimerait être traités comme eux si nous, il nous arrivait la même chose. Ah ouais, on n'est pas si envahis que ça du coup. Ouais, on est envahis. Bah non, c'est ce qu'on essaie de vous dire depuis le début. Oh. Ah. Seule une minorité de migrants se déplace du sud vers le nord. Une légère majorité se déplace du sud vers le sud. Les autres vont du nord vers le nord ou du nord vers le sud.